Et bonjour à tous, c'est la clinique. Aujourd'hui, nous retrouvons pour la suite de nos aventures sur Link's Awakening sur Switch, où nous avons terminé précédemment le premier donjon et nous avons fait un brin de causette avec notre ami le hibou qui nous a conseillé de nous diriger vers les marais. Donc, allez, c'est parti, on y va. On y va de ce pas. Ah là là, quel plaisir de rejouer à ce jeu. J'avais fait une pause depuis plusieurs jours là. Ça commençait à me manquer de ne pas rejouer à ce jeu. Bon, après je vais pas aller vers les marais de suite. Parce que je voulais refaire quelques petits mini-jeux. Notamment essayer de choper le peluche de Yoshi, par exemple. Monsieur, monsieur, c'est terrible, c'est horrible. Eh ben... Ouais, c'est terrible. Il y a des moblins. Eh ben, ils sont venus au village. Il y en avait plein de moblins. Et puis... Ouais, et ils sont rentrés dans la maison qui est juste là. Et puis, eh ben... ils ont fait un truc dans la maison où il y a tout. Ouais. Eh ben, les moblins, ils ont... Il vaudrait mieux que vous alliez voir ce qui s'est passé. Ah, parce que là... Tout le monde est en panique dans ce village. Oh là là, mon dieu. Au secours, mais quelle horreur! Toutou a été chienappé par des moblins. Oh, ah, je t'en prie, va secourir mon toutou. Oui, j'y vais. Mais après avoir fait le mini-jeu. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Évidemment. Ah, parce que moi j'aime bien ce mini-jeu. J'ai pas envie de rester sur une défaite, vous comprenez? Bon, j'ai combien de rubis en fait? Ah, je sais même plus. Ah, 45, ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Allez, j'ai compris, oui, blablabla. Allez, on y va. Jouer. Allez, c'est parti. Le Yoshi. Bon, maintenant tu m'attrapes ça et tu fais pas de coups fourrés, hein? Parce que le réalisme, ça suffit, on est dans un jeu vidéo après tout. Voilà. Merci beaucoup. Ah. Maintenant, on va essayer de se choper le quart de cœur. Si c'est possible. Voilà. Normalement, on devrait être bon. Bon, après, en haut, le bouclier et la poudre magique, je l'ai déjà, donc... Voilà. C'est vraiment si on se fait bouffer le bouclier par le like, je crois que ça s'appelle. Ah bah voilà, c'est très bien. Ah, tu veux refaire un autre essai? Ouh là là, c'était bizarre ce temps de chargement là. Ouais tiens, je vais essayer de... Soyons fous, on va essayer de choper le rubis violet. Voilà, et puis la poudre, on n'a plus le sac de poudre si on a utilisé tout. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, très bien, le rubis qui roule au milieu. Allez, reste là-dedans. C'est pas mal le rubis qui roule sur place comme ça. Ah bah voilà. J'ai tout eu du premier coup, c'est génial. Non merci, ça va aller. Ah, reviens me voir si jamais tu as envie de rejouer. Allez. Voilà. Le Yoshi, ah, c'est Yoshi. On le voit dans tous les tas de jeux ces temps-ci. Et oui. Entre 93 et 2019, il s'en est passé des choses. Et voilà, quart de cœur. Et le rubis. Je me fais un petit peu plus que rembourser. Sauf si on compte la partie précédente où j'ai tenté de rejouer à ce jeu et que, évidemment, c'était l'échec total. Là, forcément... Ah, mais c'est une peluche Yoshi. Vous êtes trop fort, monsieur. La chance. Ma maman en voulait vraiment une. Ah bah, on y va. Ah tiens, on va refaire un petit tour dans la maison dans laquelle je m'étais réveillé au début de l'aventure. On va voir. Ah. Oh là 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 là. Mais regardez-moi cette grosse feignasse. Si c'est pas malheureux, ça, quand même. Ah, t'es paumé. Téléphone à Pépé le Ramolo.
Ah tiens, on n'est pas allé lui rendre visite, Pépé Ramolo. Allez, on va l'embêter un petit peu. Hey, bonjour. Alors, on est timide, est-ce que je vois? Comment dire? Téléphone à l'extérieur. Pépé le Ramolo n'a pas l'air d'être un grand causeur. Eh oui, il est timide. Et si on appelle sur ce téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ah, s'il va bien. Clic, 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 boum, boum, clic. Bonjour, vous êtes bien à la galerie des figurines Nintendo? Est-ce que, par hasard, vous auriez un cliché à me proposer? Non? C'est bien dommage. Au revoir, clic. Vous avez dû faire un faux numéro. Ah tiens, grosse référence à The Wind Waker, ça. Eh, j'ai carrément appelé l'univers de Wind Waker, une figurine Nintendo. C'est là où on doit prendre les gens en photo pour après aller dans une espèce de bunker et... Enfin, sur une île paumée et... On doit apporter les photos pour qu'ils les changent en figurines, en fait. Voilà. Bon, la pêche... Ah, j'ai pas trop envie. Ça va aller. Bon, alors, par où on va passer pour aller là où il faut aller? Ah mais non, c'est vrai, j'ai apporté le Yoshi d'abord. Ouais, on n'est pas pressé après tout. Ah voilà, la maison où on doit apporter le Yoshi était tout là-haut. Bonjour, bonjour. Me revoilà. Tu offres cette peluche de Yoshi à mon bébé? Non, pas question. Tant pis, c'est dommage. Oh, je rigole, voyons. Bien sûr que je te l'offre, le Yoshi. Oh, merci, tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. Oh, comme c'est mignon. Vous avez échangé votre peluche Yoshi contre un ruban. Eh oui, car maintenant je fais partie de l'armée du ruban rouge. Peut-être le troqueriez-vous lui aussi, par la suite? Ah, le troquerez-vous, plutôt. Ah. Bon. Là, on va rentrer dans cette maison. La dame, franchement, elle doit vraiment se demander, mais qu'est-ce que je fous? On dirait que je m'en fous complètement de son toutou kidnappé. Pas très gentil, ça. Enfin, je suis Kai Kai, très branché. Ce ruban, c'est un chic, il me le faut absolument. Tu l'échanges contre ma pâté? D'accord. Génial, merci. Comme promis, voici ma pâté. Ah, vous avez changé le ruban contre la pâté. Garantie 100% pur bœuf. Ça met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va échanger la pâté, c'est pas très loin. Puis après, on va tenter de secourir Toutou si on le trouve, évidemment. Bon, c'était à la plage, hein. À mon avis, c'était à la plage. Ah là là! Dommage que l'été soit fini, que ce soit la reprise. Vraiment dommage. Mais que ça arrive à jour. Bonjour, bonjour! Mais qu'est-ce que tu as là? Je t'en prie, donne-moi cette boîte de conserve, je t'en supplie. Alors, que décides-tu? Ah, je veux bien. Merci, vite, à table. Allez, bon appétit. Oula, attention les dents quand même. Hein. C'est sûr que tu vas pouvoir le digérer? Mais quel délice! Pour te remercier, je t'offre les bananes. Quel régal. Ah bah c'est bien, je vais pouvoir les rendre à Donkey Kong. Enfin, faut pas le dire. Oh, vous lui avez donné la pâté en échange des bananes. Vous avez le sentiment d'y avoir gagné. Ah, c'est meilleur les bananes que la pâté de chien quand même. C'est sûr. Malheureusement, c'est pas pour moi. Bon, les bananes, on les échangera plus tard parce que... Voilà, c'est pour un petit peu plus tard dans l'aventure. Là, on va essayer de trouver Toutou.
Là, franchement, je comprends vraiment pas pourquoi il me dit batterie faible alors que je l'ai chargé. J'ai chargé les deux Joy-Con. Alors, je sais pas s'il faut laisser la Switch allumée ou si on peut l'éteindre. Et que ça charge quand même les Joy-Con quand on les branche sur les côtés de la console. Mais je l'ai chargé pourtant, alors je comprends pas. C'est du délire, du délire. Ah ouais, superbe attaque. Nouvelle attaque qui n'était pas dans le Link's Awakening d'origine, ni sur DX. Ah ah. Ah, quel radin, il donne qu'un seul rubis. Ah, il est où, toutou? Ah, des cœurs. Mais oh putain. Pas possible. Attendez un peu. Ouais, bon, là, par contre, la physique, c'est un petit peu... Enfin, la hitbox, c'est un peu bizarre, hein, quand tu es entre le rocher. Quand tu vas attaquer un ennemi qui est derrière le rocher, ça passe au travers. C'est considéré comme si tu le touchais pas, alors que... Quand t'es en face, qu'il n'y a aucun obstacle, là, il n'y a pas de souci. Je sais pas comment ils ont programmé leur truc, je comprends pas trop la logique des développeurs, mais bon. Ah, mais j'avais pas ramassé ce quart de cœur. Ah, fait plaisir, ça. Ah, vous avez rassemblé 4 fragments. Ah, ça y est, j'ai... Excellent, bah voilà. J'ai mon cinquième cœur. Ah, plateau tartare. Ah, ça tombe bien, c'est là où je dois aller. Ah, bah voilà l'entrée. Ah tiens, on va parler au hibou. Ah, voilà. Quand on parle au hibou, les yeux s'allument. Et quand on a fini de parler, les yeux restent allumés. Ce qui nous indique qu'on lui a déjà parlé et donc c'est plus nécessaire de lui reparler. Le poisson rêve n'a du poisson que le nom. Et s'il fend les airs, il n'en est pas davantage un oiseau. Mystère, mystère. Allons à l'intérieur. Ah, bonjour. C'est qui ce freliquet? Les gars, débarrassez-moi vite de lui. Ah. Encore cette musique. Elle est très entraînante, cette musique. Vous ne trouvez pas? Aïe. Ah oui, d'accord, il m'a envoyé en plein dans le derrière. C'est pas très jojo, ça, hein? Tu es venu chercher Toutou. Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miaou Miaou. Je vais te donner une bonne correction. C'est ça. Viens ici. Oulala, oulala, on se calme. Ah, il est tenace. Aïe, résistant, hein. Oh là là. Il bouge un peu, il commence à s'énerver là. Il commence à s'énerver. Mais je l'ai eu. Ah bah voilà. Attendez. Ah bah j'ai déjà une fée. Bon, bah, très bien. Ah, le voilà, le toutou. Eh oui, j'ai retrouvé Toutou, il a l'air féroce. Bon bah, suis-moi, on y va. Je t'emmène faire un tour. Ah ouais, faut sortir le chien de temps en temps. Ah, ah bah, de la visite apparemment. Ton compagnon a l'air féroce. N'oublie pas le deuxième instrument. Se trouve au marais des anémones. Bah oui, il l'a pas fait, donc je le fais à sa place. Ouais. Eh ben, tu me suis? Qu'est-ce qui se passe? Tu rushing à venir me... À me suivre, quoi? Oh là là, ça y est. Tu me perturbes. Et par contre, j'ai pas beaucoup de rubis.
Ah mince, c'est pas affiché. Attends, j'en ai combien de rubis? 74. Ah, oh, c'est chiant ça. Ah bah, bon appétit hein. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Allez, chope. Allez, chope. Chope. C'est bien, mon toutou, c'est bien. C'est très bien, ça. Par contre, petite particularité. Attendez, je vais passer à un endroit, là. Là, vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire, mais... Là, j'avais vu parce que j'ai fait une partie un peu avec mon frère et bon, je me suis un peu spoilé un petit peu plus loin, mais bon, voilà. Quand on passe ici, où il y a un endroit où il y a quatre feuilles, là, le toutou, ce qui est bien, c'est... Il nous donne des indices, comme ça. Voilà, c'est pour ça que je regardais combien j'avais de rubis, voir si j'avais assez pour acheter la pelle, mais comme ça coûte 200 rubis que j'en ai que 77, aïe aïe aïe. Et un petit peu partout comme ça, même si on remonte en haut, là, enfin si on va un peu plus loin, il y aura deux endroits où on aura des indices de toutou. Voilà, nous disant de creuser, un truc comme ça. Ok, bon ben chacun ça... Ah mais non, je peux pas... Là, je peux rien faire. Ah si. Bon. Bah, c'est que 20 rubis. Oh, dommage. Bon, c'est toujours ça de gagner. Bon, bah voilà, très bien. Allez. Continuez. Vous voyez, ici aussi, il me dit de creuser. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le garder le plus longtemps possible, ce toutou, parce qu'il donne des indices comme ça. Et ce n'est vraiment pas négligeable, quoi. Bon, alors, on en est à 17 minutes. Très bien. Bon, bah... Attends, on va aller en voir un petit peu. Il y a une poisson qui me gêne, là. On va essayer de faire vite, quand même. Allez, chop! C'est bien, c'est un bon chien ça. Chop. Voilà, très bien. Ah, 50 rubis. Ah, toujours pas assez pour l'appel. Bon ben, tant pis, on va commencer le deuxième donjon. Ah, il avait faim là, hein, il avait faim. Allez, tu m'attends dehors, je reviens, j'ai un petit truc à récupérer. Et nous voici donc dans le deuxième donjon, la grotte du génie. Avec une musique qui est pas mal. Voilà. Vous voyez ce que je disais dans la précédente vidéo, le fait qu'on résout des petites énigmes comme ça, où on doit allumer les torches pour ouvrir la porte. Et ben là, si on... Si on arrête le jeu, qu'on recommence, qu'on sort du donjon, qu'on revient, ça reste sauvegardé, contrairement au jeu d'origine et la version DX. Voilà l'exemple, quoi. Ah, deux squelettes de deux couleurs différentes qui attaquent différemment. Ah. Petite clé. Ah, déjà une clé. Alors, voyons voir par là, parce que là, je m'en souviens pas de tout. Là, je redécouvre un petit peu. Il est bien fait, ce donjon, aussi. J'aime beaucoup les détails sur les fissures et tout, qu'on voit sur le sol, toutes ces marques-là. C'est bien fait. J'aime beaucoup, franchement. Ah, là, par contre, on peut toucher, malgré qu'on soit à travers le... Oula. Tiens, prends ça. Une manant. Ah bah voilà, deuxième clé. Très bien, très bien. Ah. Ah bah c'est sympa ça, il me donne 10 poignées de poudre. Si je vois le... Si je peux le dire ainsi. 10 poignées de poudre. Eh ben dis donc, on en trouve des clés ici.
Allez, on va par là. Ah oui, par contre là, il masquasse. Hein, il fait des petits marrants hein, à nous imiter comme ça. Ah là là. Bon, j'ai envie de rester sur le thème du donjon, donc je vais pas prendre le gland. Hein. Là. Puis en même temps, comme ça, je joue à la loyale. Sachant que le gland augmente, enfin double ma défense. Ah, et ben, 4 clés! C'est rare qu'on en ait autant en même temps. Alors, on va aller voir par là parce que je sais qu'il y avait une porte fermée à clé en bas. Là. Voilà. Ah, oui, vraiment très joli là, avec les effets d'éclairage et tout. Hein. Très joli le donjon. Voilà, quand on ouvre la porte, ça sauvegarde automatiquement. On se cache derrière les jarres. Ah ouais, bon là... c'est assez problématique, non? Ah, bah voilà, c'est mieux. Allez, un rubis bleu. Ce qu'il y a dans le coffre, je sais plus du tout. Peut-être une clé. Ah non, la boussole. Ok, très bien. Ah là là, ce temps de chargement. Faut attendre 3 secondes avant de pouvoir appuyer et passer le texte rapidement. C'est un peu bizarre ça. Ah oui, ça le progrès. Allez, boussouet. Boussouet. Ah, le rubis bleu. Bon, après, les attaques, la meilleure attaque pour les avoir à tous les coups, ces squelettes, c'est de faire l'attaque circulaire ou de rester appuyé comme ça et tu avances vers eux. Bon, de toute façon, je vous montrerai. Allez, on repasse par là. Voilà, un petit rubis. C'est mieux que rien. Ah, là par contre... Voilà, servir de bouclier pour les renverser. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre. Ok. Ah, là. Quand... C'est évident qu'il faut pousser les blocs sur le... Sur le dessin au sol, sur les carrés. Ah, il fallait écraser la boule de feu. Et là, un passage secret se révèle, sous nos yeux ébahis. Alors on y va. Là aussi, je comprends pas leur logique. Il fait une pirouette en décollant à peine du sol, alors que dans le jeu d'origine, il faisait la pirouette quand il était au milieu du saut, quoi, je veux dire. Pourquoi ils ont pas gardé ça? Parce que là, ça, c'est vrai que ça donne un effet vraiment bizarre, quoi, le fait qu'il fasse une pirouette à peine il décolle du sol, quoi. Perso, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, mais bon. S'ils veulent. Saloperie, saloperie, saloperie. Voilà. Ha! Salut, toi. Et voilà, j'ai pas pris le triangle, t'as vu? Je suis courageux. Et je combats avec loyauté. Surtout ça. Sur le sol quand même. Aïe aïe aïe. Bon, ça va. Il m'a pas fait très mal quand même. Bon, ça suffit là, ça suffit. Mais putain, mais... Ok. Ah putain. Ah, il est énervé. Ah bah, t'as vu. Moi aussi, quand je m'énerve, hein, je fais pas semblant. Bon. Moi, bon, c'est facile quand même. Aussi, j'ai l'impression qu'ils ont facilité un petit peu le jeu par rapport au jeu d'origine. Je disais que non, l'impression de partie, mais là, j'ai remarqué quand même certains petits trucs. Comme les endroits où il devrait y avoir des trous, et à la place, ils ont posé les plaques fissurées. Bon, apparemment, c'est en haut qu'il faut aller. Ah, ouais. Faire gaffe à ça là.
Allez, on va voir. Ça, il me saoule avec la batterie faible, hein. Il me saoule. Je vais le charger pourtant. Allez, lâche-moi. Alors, voyons voir la carte. Ah ouais. Il y a qu'un seul étage, apparemment. Ok. Ah, le coffre. Oh, joie! 20 rubis, quel bonheur! Bon, là, par contre, je peux pas du tout passer. Heureusement qu'il me reste deux clés. Ah, les bouts, tiens, alors! Eux aussi, ils se sont perdus! Ah, voilà, une fois qu'ils sont pris dans la lumière, on peut carrément les... carrément les avoir. Par contre, l'autre il s'est échappé, mais j'ai eu quand même le coffre. Je croyais qu'il fallait tuer les deux, mais apparemment non. Ah, le bracelet! Un très joli bracelet, vraiment bien fait. Un jeu d'origine, on tirait un croissant, mais là on voit que c'est vraiment un bracelet. Et là, on n'a plus besoin de l'insignia apparemment pour soulever les jarres comme ça. C'est excellent! Tout est dans le poignet, Major. Voilà, évidemment, c'est la clé. Voilà. Vu qu'on a eu la petite sonnette, hein, grâce à la boussole. Voilà, ça je peux passer ici. Pousse-toi. Pousse-toi. Ah, tu me gênes! Ah là là! Eux aussi, ils me font penser à un personnage de Mario, là, l'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais... Ils sont dans les grottes, là. Dans Mario. Ah bah... Allez, on va se débarrasser de toutes les chauves-souris. Bon, ça, on verra après. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas, au milieu. Ah bah c'est juste des jarres. J'ai cru qu'il y avait une porte mais non. Ok. On va par là. Ah, un lapin. Tiens. Voilà. La maltraitance des animaux. Je sais, c'est pas bien. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, même les murs ils sont bien faits, hein. On voit les détails et tout. Ouais, ah, soulever, là on peut grimper. Voilà, comme dans le jeu d'origine. Il fallait la jarre en fait pour faire double poids sur le machin, parce que si je le jette, vous voyez que là, je suis pas assez lourd pour le faire descendre. C'est pour ça que je fais ça. Ah ouais, mais non, mais non. Mais non, c'est pour plus tard, j'ai même pas la grande clé, là. Mais non. Ah, mais je suis pas... Aïe, 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 aïe. Souvent, on se trompe. Mais... Il est pas capable de sauter assez haut pour sauter par-dessus les jarres. D'accord. Bah oui, j'ai loupé quelques pièces, là. J'ai loupé quelques pièces... Je retourne là-bas. Ouais, je retourne là. Oh, toi, t'es chiant. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, putain? Comment t'es censé faire là? Ah oui, comme ça. Allez. Attends. Ah, maintenant qu'on peut soulever les jarres, ça va beaucoup mieux. Ah, le blanc. Mais non, tu caches la musique, là. Bon, allez, on va aller voir en bas. Attendez.
Ah, mais c'est chiant que ça revient là. Normalement, si je reste là et que je rappuie sur Start, quand je rappuie à nouveau sur Start, ça devrait rester ici. Ouais, j'y suis allé. Donc, on va aller en bas. Allez, on va aller en bas. Bon, bah là, pas le choix. On va prendre le téléporteur. Allô? Mais... mais tu le prends? Oh là là, mais... ah, mais peut-être qu'il faut pas se mettre dessus et appuyer sur A, mais il faut rester un certain temps. Moi, je croyais qu'il fallait se mettre dessus et appuyer sur A. Je comprenais pas, mais en fait, il faut rester 3 secondes là-dedans. C'est peut-être ça. Ah, un rubis violet, c'est merveilleux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des cœurs, j'ai plus besoin. Bon, c'est pas grave. Ah oui, là-bas, je n'étais pas allé. Voilà, attention à ça. Hein. Putain de chauve-souris! Allez, viens ici. Ah voilà, fallait tous les tuer. Ah, saloperie. Ok. Ah, le bec. Bec de pierre. Ok, c'était pas vraiment nécessaire donc. Aïe aïe aïe. Par où je dois passer là? Parce que je comprends pas tout. C'est où j'ai pas eu la grande clé? Parce que là. Ouais, c'est là, c'est le boss. Ah, il fallait que je sois là, il y avait. Ah, mais non, il faut que. Je pouvais pas passer, donc il faut que j'arrive par le bas. Mais comment je fais? Normalement, le donjon, je le connais, mais là... alors, on va tracer un petit peu. Voilà, tout est ouvert, donc tant mieux. Ok, on va passer là. Ah, bravo! Bravo! Bravo, merveilleux. Et moi qui voulais me presser, ben voilà. J'ai perdu du temps, c'est génial. Bravo, bravo. On récupère le cœur. Mais pourquoi en fait il retourne là quand j'appuie sur pause? Alors que je veux simplement enlever le menu. C'est pour ça que j'ai tiré à chaque fois sur le... pas la map, mais l'autre... ah oui, il faut que j'arrive au milieu, c'est vrai. Voilà, c'est là que je suis pas allé. Bah oui, que je suis bête. Oh là là, mais c'est... c'est pas possible, ça. Alors là, on a carrément les plans de piranha. Voilà, très facile à avoir. Donc là, en premier le lapin, je m'en souviens. C'est bien ça de mémoire, saloperie. En premier le lapin. Non, la chauve-souris qui se fout au milieu. Non. Voilà. En premier le lapin. Et le dernier. La mort, quoi. En dernier, la faucheuse. Et voilà. Très bien. Et là, qu'est-ce que j'ai? La clé du boss. Très bien, très bien. Et donc, on peut y aller. Voilà. Il manquait plus que ça, en fait.
Allez, dépêche-toi, t'es trop lent. Ah là là. Ah bah j'ai plus la jarre. Tant pis. Allez, on va faire un petit coucou au boss. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, il est pas là le boss. Il se cache. Ah! Attends un peu que je m'occupe de toi. Ah, génie! J'aurai trois vœux! J'aurai trois vœux pour toi. Non? Ah, d'accord, il est pas content. Ok, parce que personne l'a libéré, forcément. Personne n'a voulu souhaiter le libérer. Je ne peux pas bouger, mais ce n'est pas grave. Ta petite épée ne pourra pas briser cette jarre. Même ces murs semblent bien plus solides que ton cure-dent. Ah ouais? Mais si je fais ça? Tant que j'aurai ma jarre, je serai invincible. Bon là, c'est relativement la même chose que sur Game Boy. Voilà, il balance des boules de feu, comme ça, il faut bouger. Voilà, évidemment, j'étais coincé par le mur. Vous voyez que c'est assez facile hein, pour l'instant. Voilà, attention. Là. Et voilà. C'est parti la jarre. Quoi? Tu as osé? Tu as cassé ma jarre? Alors là, je suis Furax. Et moi aussi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh là là, oh là là, oh là là. Je me demande si on peut lui renvoyer la boule ou pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis fixé. Donc la boule, hein, vaut mieux l'éviter. Vaut mieux éviter la grosse boule avant de l'attaquer. Ah mais c'est la tête chercheuse aussi. Ouh là là. Et heureusement que c'était que 3 coups. Et voilà. On récupère le cœur. Et voilà le réceptacle de cœur, ce qui me fait 6 cœurs en total. Et le deuxième instrument. Ah, le moment épique. Vous avez obtenu la conque de l'écume. Prairie, prairie, la prairie t'attend. Allez, chope! Chope! Bon, et il a plus très faim. Bon, bien sûr, je pense qu'on va s'arrêter là. De mon côté, je vais faire ma petite sauvegarde et arrêter. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Partez-vous bien. Ciao.